Salut, salut encore à tous mes différents abonnés et bienvenue encore sur la page de l'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est encore les dossiers, on a les dossiers. Et pour ceux qui veulent mettre les organes là, s'il te plaît, passez comme les principes. Parce que moi, je ne fais que les colis du quad. Je ne parle que des colis du quad. Donc, c'est pour vous comprendre là, c'est les choses de terre à terre. C'est ce que moi, je vis et tout le monde vit aussi sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la matérialisation de nos routes. Quand je parle un peu de la matérialisation de nos routes, c'est un peu. Quand vous passez là sur les routes, vous voyez les bandes blanches là. Les bandes blanches, en quelque sorte, c'est un peu dans la nuit, ça réflecte un peu pour savoir un peu les limites des routes un peu. Ou bien soit en conduite, ou bien soit n'est pas chevauché, ou bien où il y a les électeurs conduits et tout le consort. C'est ça que je parle de la matérialisation de nos routes. Nous ne sommes pas encore arrivés au volet des panneaux de signalisation. Je parle encore de la matérialisation, donc les passages occultés, passages à niveau, tout ça. Moi, mon humble constat, c'est je ne sais pas si c'est avec de la chaux que c'est des entreprises exécutent ces lignes-là. Ou bien il y a une vertu spéciale lui-même pour faire cela. Parce que moi, je ne comprends pas. À peine il y a des fois tu passes là, tu vois ces gens là sont en train d'exécuter, sont en train de mettre ces lignes là, mais deux jours plus tard ça s'est passé, tu ne sais même pas où ben c'est la chaux, où ben c'est quoi, où ben c'est la peinture, où ben c'est quoi qu'on a mis sur ces routes là. Moi je comprends pas, on va vous donner un budget ici pour dire que oui, matérialisation là, on va matérialiser la route avec. Et puis deux jours après une petite goutte de pluie là, tout ces lignes là s'effacent là. On sera pas obligé de le voter avant le budget pour le lendemain. Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi ne pas faire comme sur cette route que moi je suis passé, et pour ceux qui ont la chance de passer du côté de Dorbassi, il y a une route là que il y a une entreprise là qui a eu à faire ça. C'était, quand tu observes un peu, c'est une ligne, un peu comme c'était des couches que ces gars-là ont collé sur la route. C'est un peu comme si c'était des couches. Même pour ceux qui sont passés, oui, du coup, je parle du côté de la voiture. C'est que tu vois, c'est un peu comme des couches que ces gars-là ont mis sur la route. Mais sur d'autres routes, c'était comme si c'était que, je ne sais pas, où baisse la chaux, où baisse la peinture. Deux jours après, c'est passé. Et il faudra que le lendemain, on revoit ta corde de budget encore pour cette boule. Et franchement, c'est nécessaire parce que quand tu es sur la route, et quand tu es sur le national, la banque, tu confirmes que, surtout dans la nuit, la banque, tu confirmes que ces lignes-là ont un rôle. On revole. Mais je ne comprends pas pourquoi les gars ne veulent pas franchement faire un bon travail de qualité. Un travail de qualité. Mettez une couche ou bien soit une peinture que ça peut même faire même 2 ans ou même 3 ans ou 4 ans. Parce que sur la route, même que je suis en train de parler, ça fait pratiquement depuis que ces gars-là ont fait ces routes-là. Quand tu observes, il y a encore des parties qui en ont encore cela. Mais d'autres, on a déjà renouvelé même plus de 15 fois, jusqu'à 20 fois même. Tu passes même sur certains routes, même c'est là, c'est mieux. Tu ne sais pas. Il y a quelle limite. Ou bien tu ne peux pas déborder, Bordeaux, bien tu ne peux pas chevaucher. Moi, c'est la question que je me pose. Ou bien le font ça sciemment. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ne pas exécuter une bonne peinture ou bien soit je ne sais pas avec quel maquette de matériel ce gars-là exécute avec. Faites quelque chose de bon que le jour lendemain, c'est plus là encore de le faire ou bien soit le temps un peu. Parce que ne faites pas quelque chose à peine 2 jours, petit plus, vous débutez, c'est fini. Ça s'efface. Mais quand même, mettez un peu de soleil. C'est un secteur que franchement, moi je parle parce que c'est franchement, c'est. C'est alarmant, hein, parce que dit que aujourd'hui, excusez-moi, on met une peinture 2 jours plus tard. Ou bien même soit même c'est 3 mois, 4 mois plus tard, on ne sait même pas s'il y a même une ligne qui est passée là. C'est un problème. Donc il faudrait que les gars essayent de le voir pour ce problème là encore. Donc pour ces entreprises qui gagnent pour ce marché de lignes, qui essayent un peu d'utiliser un peu le matériel de qualité. À ce qu'on se retrouve au jour lendemain, il y a un an, on se retrouve à éviter quelque chose, moins plus de 3 fois, ou il y a 2 ans, on fait quelque chose plusieurs fois. C'est l'argent qui ne fait que seulement partir. Pourquoi ne pas faire quelque chose pour de bien réduire le jour lendemain? On passe à autre chose. Non pas de faire les choses, on fait effectivement, on fait quelque chose en savant, connaissant que le jour au lendemain, ça va s'effacer. On sera encore là, quoi, toujours en train de le faire.
Mais quand même, les premiers balles pour les Camerounais, pour les Dupes,